Salut guys, on est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est aux États-Unis et on roule Thunder Mountain. Yep. Thanks, mate. Hello there, guys. Fort Hill, non. Bon, petite première de la journée. Avec Matt, le guide en avant. Petite verte qui s'appelle Sugarline. Avec Mathieu ici qui roule beaucoup trop, qui connaît beaucoup trop les trails, qui est beaucoup trop rapide pour moi, ça va donner ce que ça va donner. Alors, Freeride Québec aux États-Unis, première fois de l'année. Ah, on est donc Massachusetts, Thunder Mountain, une montagne qui m'a été chaudement recommandée. Est-ce qu'il est rapide, Colin? Fait que Mathieu, André Neuf, V2, JP sur le Reckoning. Je n'essaye aucunement de le suivre. On vient de se réveiller. J'ai pas assez de café dans le corps pour dealer avec ça comme un pro. Alors, on se réveille lentement. On ressort les réflexes lentement. S'assurer que le bike est correct. S'assurer que le dos est correct aussi, c'est le plus important de mon bord. Ah. Wow, la belle piste! Fait que c'est ça, une verte aux États, ça pourrait quasiment être une bleue. Ben les places. Donc si on saute pas ça, c'est bon. Oh, on vient de switcher. Probablement dans le bleu, j'imagine. Oh, that's fun. Oh, wow. Il me disait beaucoup d'off-camber. Oh, premier lap. Fait qu'on tombe un petit peu plus dans le single track. On se garde une grosse gêne en début de journée comme ça. Mon bord, je viens de faire 6 heures de char hier, fait que le dos est sort un peu. On va s'assurer que tout soit correct avant d'ouvrir la machine, avant de trop sauter, avant de clipper les pédales. Ah, ça fait un peu que je clippe une pédale aux États-Unis cette année, ça fait. Bleu, ça. Je crois que j'ai ma petite pipette de ceinture entre les jambes qui se promène. Ça va attendre. Wow! C'est pas comme ça alterne entre flow et rocky un petit peu technique. Les berms sont genre en béton armé. Bon, ça va quand même bien, le bike semble bien aller.
Boing. Wow. Oh, la mauvaise approche, toi. Même chose. What the fuck? Une ligne locale que tu connais pas, c'est bizarre. Fuck you. Tu peux bien être rapide sur ce travail. Ah, fait qu'on a eu des bons orages hier en montant. Je savais pas si ici il y avait mouillé. Donc, on dirait que oui. Le sol a l'air d'être un petit peu humide à certaines places, certains petits trous de boîte, mais pas rien de. Pour rien de trop fou. C'est versus ce qu'on a eu à Québec. Il y a eu deux jours. C'est même pour ça qu'on a décidé de venir rouler ici. On va peut-être me prendre quelques minutes. Oh non, non, vas-y. Hey. Ouais. Conk. Bon, on roule un petit peu tout seul, tant que tu trouves ses lunettes, c'est bad. Bon! Pas trop vite. On respecte les sauts, comme dit. Pas mon meilleur, pas mon plus rapide, c'est ma deuxième fois dans ce jump line là. Mais tu sais, sans la forcer, je ferai pas bien ben plus vite que ça pour, tu sais, pour la jumper, pour... Ok, ça c'était inutile, face. Comme je vous dis, les sauts sont assez kickers. Fait que tu sais, j'irai pas bien ben plus vite que ça. Mettons, je veux m'amuser sur les spans comme ça. Oh! Plus dur, whipper de l'autre bord! Ta manette est tout à meilleure d'un bord. Mais loin à faire de la... La Wilderness Roll l'an passé, j'avais beaucoup travaillé mes whips. Ben, mes petits bottes plutôt là. C'est pas. Pas quelque chose qu'on a beaucoup à Québec, des belles jump lines. C'est comme ça qu'on peut vraiment whipper le bike. C'est le fun d'avoir accès à ça pour travailler sur ses skills de jump. Ok, j'ai pas trop perdu une petite affaire là, mais... Disons que c'est décent. Ouais, mon côté droit est moins bon. Comme une petite tendance à gauche. Ok, eux autres on les watch. C'est ça, j'y ferai pas ben plus vite. Ça.
roulé en piste de ski, ça c'est vrai. Les trois autres après, on les watch. Je sais pas si Mathieu a trouvé ses lunettes. Bah. Une fois. Deux fois. On rentre la piste de ski. Ouais, c'est ça, j'y ferai pas ben plus vite. Oh, peut-être lui. Ah. Mais ouais, pour une deuxième run dans une jump line, écoutez, je pense que ça va être très très correct là. Fameuse cat and mouse qu'on m'a beaucoup parlé. Oh, on va essayer de ne faire qu'un avec le vélo. Ah. Après ça, on arrête au char, on va relaxer un peu, on va dropper le sac banane. On va voir ce qu'on peut faire avec ce vieux corps-là. Alors! Cat and mouse! On tombe dans le plus serré. Ok. On voit qu'il y a beaucoup de drainage de fait. La piste est faite carrément au compacteur. Ah, wow! Je vais vous le refaire tantôt. Je vais enlever le mode DH sur le push. Je vais le faire en mode trail. Je vais être plus rapide. Bon! J'ai pas assez de travail après mon Enduro pour faire cette piste-là. Oh les gaps! La Fort Hill! Oh, c'est gros! On va aller voir tantôt. Fait qu'aujourd'hui, la Fort Hill est fermée sur semaine. Paraît qu'ils ont beaucoup resserré la sécurité autour de cette piste-là. Si vous connaissez pas la Fort Hill, c'est une jump line qui est une pro line. La plus grosse jump line à l'est des Rocheuses. Faut carrément signer un waiver juste pour cette piste-là. En général, si t'es en bas de 45 km/h, tu touches pas au saut parce que c'est trop gros. Ok, c'est à l'aide pour la confiance, cette petite piste-là. Ah. Wow! Ah, that's fun! Niveau traction, écoutez, ça grippe, c'est fou. Je pense que j'ai pas entendu mes Maxxis vouloir partir une seule fois. Fait que, on a eu de la grosse pluie hier avant qu'on arrive. Fait que le sol est très compact, assez humecté. On a confiance que ça va sécher dans la journée, mais les conditions à date sont très belles. Je serais même pas de suivre Mathieu aujourd'hui pour vrai. Là. Fait que, qu'est-ce que je peux vous dire sur Thunder? C'est une montagne qui est un petit bouton, mais c'est un bon cran de montagne. Ça fait qu'on a beaucoup de dénivelé tout de suite en partant. Le secteur expert va être assez steep. Ça, qu'est-ce que je peux voir? On m'a dit que l'équipe Terre and Thunder est incroyable. Écoutez, j'ai pas de misère à le croire là, pour vrai. Là. Autant j'aime la technique, autant à l'occasion des petites pistes comme ça, les chauds couteaux, c'est le fun. Super beau réchauffement. Aïe aïe. Je sais pas si la GoPro a fermé à cause de la chaleur ou de la batterie ou les deux. La petite cat and mouse ici va aider à
refroidir la caméra. Ok, on n'est pas supposé passer ici. Ils ont changé la piste. Okay. Je comprends. Bah. Ah, on commence à comprendre le flow de la montagne. On commence à comprendre un peu comment se diriger dans le réseau. Ouais, c'est un peu ça, tu peux faire ça avec les... des pédales vissées dans les pieds. C'est ça, je ferais ça avec mon petit 24. D'avoir un machin du chalet. That's nice. Là, tu te suis à droite. Oui, 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 je vais essayer. Bon, fait qu'on a droppé le sac banane. On va prendre une petite pause au char. Quatrième lap de la journée. De réveiller une petite affaire la machine, voir qu'est-ce que ça dit. Fait que là, je peux vous dire que c'est une montagne qui est relativement rough. Tu sais, même les pistes bleues, on a toujours des petites sections de slab comme ça. On a toujours des features. C'est qu'on verrait un peu moins au Québec dans des bleus. Yeah, I know. Jack pour là. Ok, on veut le sac banane, ça l'a clairement aidé. Ça. T'sais, on a toujours des espèces de roches stratifiées qui sortent un petit peu comme ça de nulle part. Fait que même dans les bleus, on va être pas mal à son affaire. Ouais, ça va un petit peu mieux, pas de sac banane. Oh, pas un peu là. Foutu belle piste, ça. Fais gaffe comment tu mélanges. Flow pis technique un peu. Hop. Oh, that was fun. Bon, ben, guys, ça va être la fin de cet épisode de Freeride Québec aux États-Unis à Thunder Mountain. C'était fucking cool. Très belle montagne. Je suis toasté et on prend la route et on travaille demain.